J'accompagne toujours ma maman quand elle va faire les courses dans le centre commercial le plus proche. Mais depuis la semaine dernière, je ne veux plus du tout y aller. Il s'est passé quelque chose de très bizarre. J'en fais encore des cauchemars. Mercredi dernier, j'ai été avec ma maman faire des courses dans ce grand centre commercial. Il y a du monde comme à l'habitude. On prend des packs d'eau, on va dans le rayon animalerie pour des croquettes, puis on fait le reste de nos petites courses. Au bout d'un moment, ma mère va dans le rayon produits laitiers. Il y avait pas mal de monde. Comme il y avait une queue d'une certaine longueur, j'ai fait un petit tour en attendant. Quelques minutes plus tard, pour rejoindre ma mère aux produits laitiers, je devais traverser le rayon charcuterie. Ce rayon était très sombre car presque tous les néons ne fonctionnaient plus. Certains clignotaient. J'ai trouvé cela amusant, je me suis imaginé dans une espèce de boîte de nuit, et je l'ai traversé. Arrivé à mi-rayon, les bruits ambiants du magasin ont soudainement changé un peu comme si je m'étais plongé dans une piscine. Et puis, j'ai commencé à avoir des vertiges. Et à ce moment-là, tous les néons du rayon se sont mis à clignoter rapidement. J'étais un peu comme perdu dans un endroit inconnu. En regardant le contenu des étagères, je me suis aperçu que les marchandises colorées de rose, de vert ou de violet s'étaient soudainement transformées en d'horribles paquets rouges sans vif. Des rires sinistres ont commencé à résonner de partout. Paniqué, j'ai essayé de sortir du rayon en courant, titubant à moitié par les vertiges. J'avais l'impression de courir durant plusieurs minutes. Le rayon m'a semblé d'être une longueur infinie. Toujours à moitié dans les vapes, j'ai glissé sur quelque chose et je me suis vautré dans le rayon gauche. En me relevant, j'ai constaté que les immondes sachets rouges étaient remplis de viande et de cervelle. En regardant le sol, j'ai vu que la flaque qui m'a fait glisser était du sang. Je me suis senti extrêmement mal. Je suis à cause du stress et de la panique. J'avais très envie de vomir. Et cette tête qui tourne. Je n'arrivais plus à tenir debout. En essayant de me rassurer, j'ai regardé de plus près les étiquettes tarifs des produits. Cœur, 10 euros. Cerveau adulte, 5 euros. Cerveau enfant, 23 euros. J'ai arrêté là. J'ai vomi tout le contenu de mon estomac. En avançant dans ce soi-disant rayon charcuterie qui est en réalité un horrible rayon boucherie, j'ai jeté un œil à des grosses boules rougeâtres. En m'approchant, j'ai hurlé. C'était des têtes humaines sous vide pleines de sang. Puis un bruit métallique résonnait derrière moi. Au fond du rayon, je pouvais apercevoir une ombre aux yeux brillants. Elle s'approchait de moi, en flottant au-dessus du sol. Sa main donnait des coups sur les étagères métalliques, faisant tomber des sachets de viande humaine. L'adrénaline m'a permis de courir correctement jusqu'à la sortie opposée du rayon. Et soudainement, la lumière chaleureuse du magasin s'est mise à éclairer le rayon produits laitiers et... Ce doux bruit ambiant qui m'avait tant manqué est lui aussi revenu à la normale. J'ai couru jusque ma mère tout paniquée et je lui ai montré le rayon charcuterie en lui racontant ce qui s'était passé. Les néons toujours clignotants n'éclairaient plus les lambeaux humains précédemment présents mais de simples paquets de jambon et de saucissons classiques. Vu mon état, ma mère m'a ramené à la maison pensant que j'ai été victime d'une crise d'épilepsie accompagnée d'hallucinations auditives et visuelles. Je tiens à vous préciser que je n'ai jamais fait de crise d'épilepsie. Et je suis prêt à vous parier n'importe quoi que ce que j'ai vécu dans ce rayon est réel. Croyez-moi, docteur, je ne suis pas fou, pas fou, pas fou du tout, et encore moins épileptique. Allez-y dans ce magasin, vous allez voir. Je le vois, vous ne me croyez pas dans vos yeux. Je vous dis que je dis la vérité, mais qu'est-ce que vous faites? Maman, le docteur veut me faire une piqûre. Maman, aide-moi.